Salam alaikum. Alors enfin, on arrive à la dernière partie des états d'hypersensibilité. Donc c'est le quatrième type, appelé également hypersensibilité retardée, parce que lorsqu'on la compare aux autres états d'hypersensibilité, elle est caractérisée, celle-là, par un délai d'apparition des signes cliniques plus retardé, c'est-à-dire après 48 heures, 72 heures, et même parfois après plusieurs semaines. Également, autre chose, c'est que la réaction, le mécanisme immunologique, il est purement cellulaire. Donc, c'est une réaction à médiation cellulaire, pas comme les trois premières. La première et la deuxième, c'était des immunoglobulines à médiation humorale. La troisième, c'était la cause, c'était la formation des complexes IMA, les dépôts des complexes IMA avec la maladie sérique, le phénomène d'Artus. Donc, voilà. Alors, pour être le cas, la première des choses qui m'a rendu, c'est la seule qui est à médiation cellulaire. La manifestation Tahawinta, c'est lors de la réintroduction de l'antigène. Il y a déjà ça a un premier contact. En fait, le deuxième contact, il va causer la réaction d'hypersensibilité de type 4. Ou là, lors de sa persistance. Lors de sa persistance, il y a ni le corps qui peut conduire, en fait, la chronicité, elle peut conduire à la réaction granulomateuse. Donc, c'est le cas chronique lorsque l'antigène il persiste beaucoup 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 plus longtemps dans notre organisme, donc il va provoquer ou la déclencher une réaction granulomateuse qu'on va voir à la fin du cours. Alors donc là, autre chose, c'est qu'elle est à transmission cellulaire et non pas par le sérum, parce que le sérum c'est tout ce qui est médiation humorale, les immunoglobulines, et là on parle de la médiation cellulaire. Donc là, c'est un petit récapitulatif ou un petit schéma qui va récapituler ce qu'on va voir. Où là, le mécanisme, les acteurs de la réaction d'hypersensibilité de type 4. Donc il faut savoir que la réaction, c'est surtout l'implication des cellules LTH1 à CD4+. D'accord? Bon, le cours que le prof nous a envoyé avec le petit tableau, en fait TH1 fait même TH2. Mais il y a surtout TH1, parce que TH1, elle va activer les cellules cytotoxiques. Mais TH2, c'est surtout pour la médiation humorale. Mais bon, là, on va essayer d'expliquer. Là, on en parlait surtout de TH1 avec le prof. Donc, l'antigène, une fois l'antigène, il pénètre à l'intérieur de notre peau. Donc, il va être apprêté par la cellule dendritique. Par exemple, au niveau de l'épiderme, on a les cellules de Langerhans. Donc, les cellules vont l'apprêter. Ensuite, ils vont migrer, ils vont migrer vers les organes lymphoïdes secondaires, où ils vont présenter l'antigène aux cellules lymphocytes TH1 à CD4+. Et on aura donc la double LTH1 surtout, elle est très importante, c'est que c'est des cellules un homme CD4+, Raoulik, et surtout un homme le CD45 RO. Le RO, c'est une notion de récepteur mémoire. Une fois il est activé, il devient RA. C'est très important. Donc c'est simple, on a deux choses, d'abord CD4+, on a le CD45 RO. C'est un récepteur mémoire. Lorsqu'il s'active, il devient RA. Une fois activé, une fois il a reconnu, donc il y a eu une présentation et donc reconnaissance de l'antigène, il va être activé. Voilà, il est impliqué dans plusieurs mécanismes qu'on va pas vraiment détailler. Donc voilà, maintenant on va activer on va présenter l'antigène aux cellules LTH1 et LTH2. Donc il y a trois cas de figure. Les exemples, tu as les réactions d'hypersensibilité. Donc, si on va activer LTH1, elle va bien sûr activer les lymphocytes T cytotoxiques, LT8, qui vont se différencier en LT cytotoxiques. Donc, les LT cytotoxiques, c'est surtout pour les antigènes à développement intracellulaire. Donc, au moins, c'est surtout pour les tumeurs et tout. Mais, on ne va pas vraiment parler des tumeurs, on va parler c'est vrai, des antigènes à développement intracellulaire, comme les bactéries, flocatana, c'est le BK. C'est la réaction tuberculinique, et on a aussi les aptènes. Donc ils vont être apprêtés par ou là et ils vont rentrer dans une réaction d'hypersensibilité de type 4 avec les macrophages, surtout les macrophages. Donc là on a parlé, on a cité des exemples où là les réactions les adlins. Donc le LTH1 va sécréter l'interféron gamma qui va activer les macrophages. Les macrophages vont être responsables de la réaction de dermatite de contact, où là il y a la réaction tuberculinique. C'est la réaction tuberculinique, yani t'as la tuberculose à la bactérie BK. Il a activé donc LT cytotoxique, c'est pour la dermatite de contact.
dermatite de contact. Et il a quand même dit activation de LTH2, c'est surtout pour les. Donc elle va activer les éosinophiles, donc elle est responsable de l'asthme, donc voilà, par sécrétion des IL-5 et IL-1, vont activer les éosinophiles qui vont être responsables de l'asthme chronique ou la rhinite allergique chronique. Mais je vous rappelle toujours, le prof, on a parlé des LTH1 surtout, qui sont impliqués parce que Huma Ikuno a médiation cellulaire. LTH2, c'est surtout à médiation humorale. Il y a activé surtout les LB qui vont se différencier en plasmocytes, etc., pour la sécrétion des immunoglobulines. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Mais bon, c'est le schéma récapitulatif, typique, tu as l'hypersensibilité de type 4. Donc là, on va commencer. Alors, nous, les cibles, c'est les bactéries à développement intracellulaire qui met le BK. On a plusieurs autres. Maintenant, on a pris seulement l'exemple de la réaction tuberculinique. On a aussi les aptènes. Alors, pour le premier cas, donc c'est les réactions qui sont déclenchées par le contact avec les aptènes. Les aptènes, c'est quoi? C'est des substances antigéniques à l'état libre, mais qui ne sont pas immunogéniques. Sauf lorsqu'ils se fixent à une protéine, là, ils vont devenir immunogéniques, c'est-à-dire ils vont déclencher une réponse immunitaire. Donc, on a les aptènes. On a plusieurs types de les aptènes. Donc, on a le sel de cran, par exemple, le ciment, on a le nickel, le caoutchouc, les produits de cosmétiques, il y a un salon de coiffure, la peinture, les pesticides, le cobalt, le mercure, la colle, la gomme, il y a plusieurs molécules qui sont considérées comme des aptènes et qui vont se fixer à une protéine carrière et là ils vont déclencher une réponse immunitaire. Ça, donc le prototype clinique ternan, c'est la dermatite allergique. La dermatite allergique, c'est une hypersensibilité de contact. Il faut qu'il y ait un contact. Donc là, on doit se demander une chose, mais où est-ce qu'il y a la différence, mais bien, entre la dermatite de contact ou la dermatite allergique et la dermatite atopique, l'hypersensibilité de type 1. Parce que l'hypersensibilité de type 1, on a des manifestations dermatologiques, on a des érythèmes, voilà, donc érythèmes principalement prurit, démangeaisons, voilà, des croûtes à cause du grattage, etc. Donc là, où je mets la différence entre les deux. En fait, c'est les circonstances d'apparition et technique, donc la dermatite atopique. Enfin, la dermatite heavy allergique, il y a l'hypersensibilité de type 4. Déjà, c'est de type 4, donc elle est plus retardée que l'autre. Et surtout, que heavy de contact, contact, mais la peau ou l'aptène, ou l'antigène responsable. Donc voilà, où j'ai dit comme manifestation clinique. Donc, j'ai dit une réaction épidermique. Ou là, on peut dire que c'est une réaction sous-épidermique. Donc, elle est plus profonde que l'hypersensibilité de type 1. Ou là, la dermatite atopique. Donc, qui rôle atopique. Ou là, la notion d'atopie, c'est l'hypersensibilité de type 1. C'est-à-dire l'allergie et tout. Ça, j'ai dit aussi des lésions eczémateuses. Une dermatite érythémateuse, vésiculeuse aussi, on a dit des vésicules, des bulles, au niveau du site de contact avec l'antigène. Toujours, on doit le rappeler. Yannick, un contact. Alors, alors, sur le plan sémiologique, c'est une inflammation, un œdème, un érythème, une atteinte dermique plus profonde, voilà. Donc, on peut dire qu'elle est sous-épidermique. Elle est plus profonde, pourquoi? Parce que l'aptène avec l'esme, il troll bien, il doit bien pénétrer à l'intérieur de la peau, mais s'il a une protéine, il va déclencher cette réponse. On a aussi donc le grattage, il va y avoir des démangeaisons, il y a des hecs, c'est-à-dire la zone, et du grattage, les grattages bien sûr qui hecs, il va former des croûtes, il va se complètement, et une desquamation, c'est ça. Donc la guérison, elle est rapidement, il y a après disparition de l'antigène, lorsqu'on évite l'antigène, donc l'éviction, directement, donc la disparition, elle est spectaculaire. C'est-à-dire juste après on arrête le contact l'allergène ou l'antigène surtout, donc là on aura la disparition. Alors sur le plan histologique, la lésion elle est caractérisée par une infiltration par les cellules mononucléées qui apparaissent à la 8e heure, on va dire, le maximum à la 15 heures, vous voyez, donc c'est plus long. Par exemple, un patient qui travaille, je sais pas, le travail
فوالا دونك يروح للدار بشويه يبدا تجيه ابخي 8 اور ولا يكون توت لا جورني تماك راهو ان كونتاكت يعني من 8 تاع الصباح حتى ل 4 تاع العشيه من 8 حتى جوباني 8 اور 8 اور ابخي الكونتاكت يبداوه لي مانيفيستاسيون هذوما كيكون عندي ثاني سور لو بلان هيستولوجيك ان اوديم افيك فورماسيون دو ميكرو فيزيكول اون انفيلتراسيون بار ان غران نومبر دو لوكوسيت دون لو ديرم فوالا اي ما عندناش هنايا لي نوتروفيل فوالا اون با دي نوتروفيل في هذا لو كا تاعنا. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc pour poser le diagnostic, tout d'abord bien sûr, donc en respectant les étapes tawana tel examen clinique, tout d'abord on va faire notre interrogatoire, on va poser des questions à notre patient. C'est un temps clé encore une fois parce que oui, il va venir par exemple par des manifestations ou des symptômes, mais on doit bien poser la question winta ou علاش ou شنو هي الحاجات اللي مسيتهم باش نشوفوا شنو هو l'allergène suspecté. On va faire nos examens complémentaires, il y a pas demandé l'examen physique et tout. Donc là, on va passer aux examens complémentaires. Donc les plus importants, enfin, on a quatre bins, ça n'est le plus spécifique tana c'est le patch test. Le prick test c'est pour l'hypersensibilité de type 1, d'accord? Prick test c'est pour hypersensibilité de type 1, patch test c'est pour l'hypersensibilité de type 4. Le patch AD, on va mettre des patchs, tout simplement des patchs with le dos tel le patient après 48 heures, OK, audiolin choufoulo la réaction qui fâche salat. Voilà, là qui on va suspecter l'allergène. Hadi des patchs, avec les patchs feront l'allergène suspecté, ils seront le fait le dos tel. On va dire audio lé après 48 heures parce que tu donnerais hypersensibilité retardée. Donc je suis sur place, je fais le résultat qui m'a le prick test, il y a ni sur place avec. Mais là c'est plus retardé. Donc on a été excité les produits responsables de cette réaction. On a des produits domestiques qui m'a le collier par exemple, il y a ni tout ce qui est fantaisie, tout ce qui est les accessoires mais chez de bonne qualité, bien sûr de mauvaise qualité. Donc donc maintenant il y a qu'on est responsable, on va voir par exemple le cou de la patiente, je vois quand même la fente تاع ديك السنسله par exemple ou la une montre ou la une bague ثاني كنشوفو يعني كي تنحيها هي بيان سور تفيق باللي هذيك يلا هي دير لها السبب دونك شوفوا باللي صباحها كاع راهم ملوي كامل شغل une bague ça va former une bague donc à cause de هذيك la bague voilà. Voilà, des accessoires. Ou la professionnelle, c'est des produits colorants. Par exemple, les salons de coiffure. On a aussi le latex, yani le gant avec les gants. Je vous dis, il y a des rougeurs sous forme d'un gant. La main de le patient. Voilà, donc notre réponse immunitaire, où je connais l'IA, elle est induite par, surtout, les... recrutement des macrophages. Et qu'on a dit un recrutement des macrophages avec donc Winf, le site de la réaction, et donc qu'on a dit une inflammation. Et voilà, donc à dire. Donc le traitement dernier, c'est surtout l'éviction, ou le haja l'éviction, parce que on peut pas donner un traitement sans éviter. Il va toujours porter avec elle va toujours porter avec la bague ou avec le collier, et elle va prendre un traitement comme si ça va donner un effet. Mais pas du tout. Donc il faut éviter tout d'abord. Ensuite, on va donner des calmants, ils vont calmer la réponse immunitaire. Il y a donc on a des antihistaminiques pour arrêter la libération de l'histamine qui est responsable de cette inflammation et de la manifestation dermatologique. On a aussi des corticoïdes, on peut donner des anti-inflammatoires stéroïdiens pour arrêter l'inflammation encore une fois. Et là, on peut donner un gel lubrifiant pour lubrifier avec la zone, les rahis, camel, en desquamation, les croûtes et tout. Donc voilà, c'était le premier cas de figure terna, c'est les aptènes, ou j'adore les rames, voilà. Donc ça va déclencher de la réponse immunitaire de type 4. Je pense que c'est ça, donc dermatite de contact. Voilà. Donc on a surtout les cellules LTH1. Alors pour le deuxième type TANA, c'est la réaction. Bon, on a autre. Bon, j'aimerais bien citer d'autres exemples. L'hypersensibilité de contact. Donc l'aptène TANIR d'icône le tatouage ou le henné, yani le henna. Alors pour la réaction tuberculinique, donc Hadia, c'est la forme la plus importante, yani la forme typique de l'hypersensibilité de type 4. Donc هنا واش حيكونوا عندي plusieurs types تاع l'antigène. Donc عندنا le bacille de Koch, surtout bacille de Koch,
lorsqu'on fait une réinjection de le bacille de Koch, qu'on a de la réponse avec érythème et induration du site de contact ou la lucidité à l'injection, un des plusieurs autres infections, un développement intracellulaire, des infections bactériennes, parasitaires, mycosiques, virales, plusieurs autres, hein, donc on a même des antigènes portés par les allogreffes par exemple, l'antigène HLA, classe 2, ou là l'essentiel, on a plusieurs types, donc on a les allogreffes, on a droit à les bien. Une technique par exemple les adjuvants. Donc les adjuvants c'est quoi? C'était tu m'as redonné un exemple court, c'était l'adjuvant complet de fringues. Donc ADAC c'est un mélange lipidique qui entre en jeu dans les techniques d'immunostimulation. Donc il est utilisé fait de l'immunostimulation, donc il va provoquer il est ajouté à l'antigène de manière à provoquer une réaction immunitaire. À des moyens adjuvants, c'est-à-dire qu'ils peuvent être responsables d'une réponse immunitaire de d'hypersensibilité de type 4. Alors, donc, on va parler tout d'abord de l'hypersensibilité tuberculinique. Donc, c'est lors de la réintroduction de l'antigène. Il y a l'antigène, le bacille de Koch, on va injecter par voie intradermique la tuberculine, voilà, l'IDR, la tuberculine, en sous-cutané, voilà, ça va provoquer chez les patients déjà atteints de la tuberculose une réaction fébrile qui est accompagnée d'une tuméfaction, et donc on a une tuméfaction avec une induration du site de l'injection. Donc l'IDR, surtout, elle est caractérisée par un érythème, sur le plan sémiologique, on a un érythème, une induration, voilà, le délai d'apparition, 24 heures, 72 heures. Alors, le point, donc, du point sur le plan histologique, on a dit tout d'abord, on a des polynucléaires neutrophiles. Ensuite, ils vont disparaître. Ils seront remplacés par les lymphocytes T, les lymphocytes T, les macrophages, d'ailleurs, on a cité ça maintenant, les lymphoblastes. Voilà, ils connaissent les techniques des dépôts de fibrines. Voilà, et tout ça, c'est après 24 heures de cette injection, de la réintroduction. Voilà, aussi, les ganglions régionaux qui peuvent être hypertrophiés, donc des adénopathies. Je pense que c'est ça, donc voilà. Alors, physiopathologie, donc là pour la physiopathologie, où je vais vous dire, en absence du traitement, lorsqu'on n'a pas le traitement de cette hypersensibilité tuberculinique, donc c'est quoi la réaction des hypersensibilités tuberculiniques? Donc la tuberculose, elle peut avoir la forme typique, c'est la forme pulmonaire, dès qu'elle est riche en bacille de Koch, ou là la forme atypique, on va dire, elle est poussée bacillaire, mais quand je fais le bacille de Koch, voilà. Donc elle peut toucher plusieurs organes, il y a ni michel le poumon. On a le caterna, voilà, on en a droit. C'est surtout, c'est des manifestations dans la lombe dermique et tout. Voilà. Donc physiopathologie en absence du traitement, ça peut évoluer vers une réaction granulomateuse. C'est la forme chronique les maladies, les formes des infections à développement intracellulaire. Voilà. Alors, toutes les infections chroniques forment le granulome, comme le BK, la lèpre, la sarcoïdose. Il y a plusieurs maladies, même des maladies auto-immunes, qui peuvent évoluer vers une réaction granulomateuse. C'est important qu'on connaisse une chronicité, d'accord? Voilà. Alors, pour la physiopathologie toujours, donc tout d'abord, on a une reconnaissance de l'antigène. On va dans une phase d'activation telle les lymphocytes et enfin l'activation telle les macrophages. Donc, est-ce qu'on a dit tout d'abord la reconnaissance de l'antigène par, on va présenter l'antigène aux cellules LTCD4+. On va activer donc les LTCD4 qui vont proliférer et libérer des cytokines avec aussi des donc l'interleukine 2, des facteurs chimiotactiques qui vont inhiber la migration des polynucléaires et les monocytes, donc on va les garder. Ensuite, on va avoir l'activation des macrophages. C'est le rôle de l'interféron gamma qui va activer les macrophages, qui m'a donné le premier schéma, les chenets. Voilà. L'interféron gamma qui va être libéré, il va donc activer les macrophages. Et donc là, est-ce qu'on a une activité microbicide, il y a un microbe, et un dommage, une réorganisation tissulaire. Donc là, c'est dû à l'activation des macrophages. D'accord. Donc vous voyez, il y a fait le coup. On parle des cellules, surtout LTH1,
toujours je vous rappelle, et les macrophages. Au moins, ils sont responsables. C'est vrai, on a un rôle, c'est des germes ou c'est des antigènes en développement intracellulaire. Tout ce qui est donc, des développements intracellulaires qui montrent par exemple une tumeur, ils sont normalement pris en charge par les cellules lymphocytes CD8 cytotoxiques. Normalement, toutes les cellules cytotoxiques, au moins, ils vont les dégrader. Mais le cas, les bactéries en développement intracellulaire qui mettent le BK ou les aptènes, les cellules cytotoxiques ne peuvent rien faire pour eux. Donc, les membres des cellules, ils vont les dégrader, qui mettent les tumeurs. Ou les cellules cancéreuses. Mais la prise en charge, par les macrophages. D'accord, les bien, je dois, c'est les macrophages. D'accord. Donc on rappelle toujours une induration des flictènes, une nécrose centrale, une hypertrophie des ganglions, donc c'est des empathies. La manifestation, elle est retardée, elle est après 24 heures. Alors, pour dire que l'IDR est positif, donc on a pour tester, est-ce que le patient, la tuberculose, l'IDR, il a, est-ce qu'il est positif? Il y a le diamètre de la rougeur supérieur à 5 mm. A des LSMIQ supérieurs à 5 mm. D'accord. Avec induration surtout. Ensuite, la réaction granulomateuse. Enfin, donc Adi, c'est la plus importante. Elle est état d'hypersensibilité. Donc, elle résulte de quoi? Elle résulte de la persistance de l'antigène dans les macrophages. D'accord. L'antigène, il croit derrière les macrophages, il va persister. Donc, souvent. Il va donc former le granulome à cellules épithéloïdes. Donc, on a plusieurs maladies, comme on a le BK, par exemple, qui est chronique. On a plusieurs autres maladies, même des maladies auto-immunes, comme la sarcoïdose, l'infection, donc des infections chroniques, BK, lèpre, certains stimuli qui ne sont pas antigéniques, comme le talc, par exemple, qui va se développer d'une façon chronique, progressive, d'emblée. Voilà. Et donc au niveau donc pour le talc, on va pas trouver des LT dans la lésion, d'accord? Parce que c'est pas vraiment une molécule antigénique. Voilà. C'est pas un antigène, vous voyez. C'est pour ça qu'on va pas trouver les LT au niveau du site de la lésion lorsqu'on la regarde au niveau histologique. Histologiquement, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on a des cellules épithéloïdes, c'est des grandes cellules aplaties avec un réticulum endoplasmique développé, bien développé. Ensuite, on a des cellules multinucléées géantes, c'est des cellules de Langerhans, on les a appelées. Voilà, on va trouver les cellules. Donc, on a aussi on a des cellules multinucléées géantes, c'est la fusion des cellules épithéloïdes qui vont fusionner et vont former Hedoma. Donc, ils sont multinucléaires, donc plusieurs noyaux, par la fusion des cellules épithéloïdes. Et enfin, on a aussi le foyer central nécrotique, envahi par la fibrose, la tuberculose, la migraine, la nécrose caséeuse. Donc, elle est spécifique à la réaction tuberculinique. D'accord? C'est avec le granulomateux typique. Voilà. Donc, on va se rappeler des cellules épithéloïdes. Voilà, les cellules épithéloïdes. Donc, c'est des cellules géantes. Fusion, voilà. Par la fusion des cellules épithéloïdes, voilà, des cellules géantes. Donc, ils sont formés par la fusion des cellules épithéloïdes, c'est des cellules multinucléaires géantes, des cellules de Langerhans. On a aussi. La couronne des LT qui vont produire un interféron gamma. Et puis on a les macrophages, la phagocytose au milieu, quand même, les macrophages, et avec un foyer nécrotique fibrosé. Et donc, les macrophages, ça se fait en 4 semaines, c'est plus retardé que les autres, quand même. Voilà, donc au milieu, les macrophages qui ont phagocyté le BK, il y a la couronne des LT, il y a tout autour, la périphérie, c'est les LT, au milieu, il y a les cellules géantes multipliées par fusion des cellules épithéloïdes. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc là, juste pour parler de la tuberculose, il y a deux formes, un effort pulmonaire, un effort extra-pulmonaire, un effort pulmonaire riche en bacilles, c'est la forme typique. Le diagnostic RH, c'est surtout au télédroit, c'est seulement un télédroit qui peut poser le diagnostic, on va trouver la caverne, voilà, la caverne de la tuberculose, avec des lignes linéaires, voilà, donc la forme typique RH au télédroit. On va trouver aussi, donc on peut faire des lignes RH, elle positive, simplement positive directement, et c'est un test in vivo, voilà, donc il est positif facilement, parce qu'elle est riche en bacilles, le test n'est pas oublié, le test est positif. Par contre, pour la forme extra-pulmonaire, elle est asymptomatique, elle est aussi bacillaire, elle n'est pas riche vraiment en bacilles de coque, donc le diagnostic RH, donc l'IDR est faussement négatif, c'est-à-dire il n'est pas vraiment accéléré avec un négatif, mais c'est un test faussement négatif, on dit, parce que alors, qui a une bacille, ça il est pauvre. Donc à la place, on a trouvé une autre méthode, un autre test plus efficace qui va mettre en évidence la présence de le bacille de coque, c'est le quantiférent qui est plus sensible, donc on va quantifier l'interféron, il y a des sécrétions quand même, donc on a des sécrétions de l'interféron, et donc, on va quantifier la quantité de l'interféron, et donc c'est un test plus sensible qui va trouver le bacille de coque. Voilà. Pour la dernière chose, les états d'hypersensibilité retardée, c'est le rejet des greffes. Donc, qui connaît un rejet de greffe aigu, donc bon. C'est vrai que dans l'hypersensibilité de type 2, elle a le rejet des greffes et le rejet avec il est donc la différence avec le rejet à l'hypersensibilité de type 2, il est hyper aigu, il est sur table, sur place, ça se fait à l'âge parce qu'elle a déjà des anticorps
préexistant, vous voyez. Donc elle a bien, il est super aigu. Donc elle dit que sur place, bon ça c'est retardé, hypersensibilité retardée. Alors donc on a le rejet de greffe aiguë, d'ailleurs retardé. Le greffant qui m'a donné, il est toujours le siège d'un important infiltrat des cellules mononucléées. Donc on a des cellules mononucléées et donc il est surtout composé par les cellules LTCD4+. C'est pour ça les les 18 hypersensibilités de type 4AD retardé. Voilà, où je vous ai dit la différence entre le type 2 avec le type 2, c'est des IgG, les counons impliqués. Et donc, avec, il est super aigu. Déjà, j'avais à la base des IgG préformés. Mais là, c'est un rejet aigu. Il y a un effet à médiation cellulaire. Voilà. Bon. Voilà, qui m'a donné technique, un des plusieurs autres techniques maladies auto-immunes qui sont, qui peuvent se manifester par une réaction d'hypersensibilité retardée. Adna, qui m'a la thyroïde, et tout là, le diabète insulino-dépendant. Donc, il y en a plusieurs autres. Donc, on a juste à titre d'exemple. Et pour récapituler quand même le diagnostic, comment on va le poser. Donc, on a le test in vivo. Donc, on a quelques tests in vivo, tests cutanés, on a l'IDR, l'IDR, il va détecter le BK, il y en a la présence de BK, il y en a un contact préalable avec le BK. Donc, c'est quoi? C'est un test qui va intradermo réactif, ou la réaction on va injecter en intradermique ou la sous-cutanée, le BK, tout simplement, dans la tuberculine. Et donc les indications qui recherchaient ou le BK, est-ce que le patient il est atteint, on va vérifier la prise du vaccin à le BCG. Et voilà, donc dans le cadre de l'exploration d'un déficit de l'immunité cellulaire par exemple. Voilà, donc les indications terrenales, l'IDR, voilà, où il est positif lorsqu'on trouve une induration, il y a une salba, et l'érythème ou la rougeur, elle est supérieure, le diamètre TH supérieur à 5 mm. Voilà, c'est le premier test qui a donné le cas de les aptènes, c'était le patch test, voilà, pour le traitement de la dermatite de contact. Donc on va juste appliquer sur la peau percutanée de l'aptène ou de la molécule suspectée, et donc on va explorer, ou là on va chercher le résultat après 48 heures, bien sûr, parce que c'est une hypersensibilité retardée qui va bien sûr se traduire par une réaction positive chez le sujet sensibilisé. On va trouver un érythème avec des manifestations quand même dermatologiques. Les derniers éléments, la dermatite de contact. Autre examen, on peut faire, il y en a plusieurs autres examens. On peut faire la microscopie à fluorescence, la cytométrie de flux. Et donc, c'est des tests in vitro. Alors, c'était des tests in vivo, à demain les tests in vitro. On a plusieurs, on a la FNS, la formule leucocytaire. On peut faire aussi la numération des lymphocytes par microscopie à fluorescence ou la cytométrie de flux. À demain, c'est juste, on va les citer. On a plusieurs autres examens, dosage des cytokines aussi, on peut faire. On va pouvoir doser le quantiféron, le cathéter qui coule post-bacillaire, lorsqu'on trouve un IDR faussement négatif, mais on suspecte toujours une tuberculose et un aide le patient extrapulmonaire, c'est pour ça. Donc, il y a une manifestation autre que le poumon. Voilà. Alors, le tableau est un récapitulatif qui est donné à la dermatite de contact ou la réaction tuberculinique et surtout la réaction granulomateuse qui est caractérisée par la chronicité que tu as quand même les infections. Il y a toute infection en fait qui est chronique, qui persiste, donc c'est la persistance de l'antigène à l'intérieur des macrophages, va donner le granulome inflammatoire qui va apparaître après 4 semaines. Voilà, qui est caractérisé par des cellules épithéloïdes, des cellules géantes, des macrophages, la fibrose avec la nécrose, le cas de la tuberculose, c'était la nécrose caséeuse. Voilà. Donc alors, pour récapituler quand même, le petit tableau, il va récapituler les types d'hypersensibilité retardée qui sont très reconnus. Le premier type, vraiment, c'est le Jones Mott qui va apparaître après 24 heures à peu près. Technique, c'est surtout le Jones Mott pour les antigènes solubles. Voilà, donc c'est va se caractériser par une réaction inflammatoire de faible intensité. Voilà. Qui est transitoire technique. Voilà, on a un défi à des cellules polynucléaires basophiles. Et voilà, donc on n'a pas vraiment
On n'a pas vraiment détaillé le cas. Le deuxième cas, c'est la dermatite de contact causée par des aptènes. C'est des réactions sous-épidermiques. La différence binôme ou l'hypersensibilité de type 1, la réaction atopique, la dermatite atopique. C'est que heavy gain un contact, la dermatite de contact. L'autre, elle est atopique, c'est l'atopie. Ou surtout, heavy gain un contact. Et tandis que les circonstances d'apparition, même la durée, elle est plus retardée, l'autre, elle est plus rapide. Voilà, donc la dermatite de contact, elle est caractérisée par une lésion eczémateuse. Oui, le niveau ou le site de contact. Pour le troisième type, c'était la réaction tuberculinique causée par les bactéries un développement intracellulaire. C'est le BK, voilà, qui va se caractériser par une induration avec une papule ou là, une réaction tannique érythémateuse. Et l'IDR qui va après 48 heures, ce qu'on a dit, le diamètre est du coup supérieur à 5 mm avec une induration. Là, on va dire que l'IDR est positif et il s'agit d'une tuberculose à l'aide de patient. Ou là, une réaction tuberculinique. Pour le dermatite de contact, on a les patch tests. Après 48 heures, on va voir le résultat. C'est des patchs, les patchs le dos à le patient, les patchs forment l'aptène suspectée. Et on va surveiller pour la granulomateuse, c'est la forme chronique, la forme la plus importante à l'hypersensibilité de type 4, c'est toutes les infections chroniques peuvent évoluer vers un granulome. Donc c'est des antigènes qui persistent à l'intérieur des macrophages, vont donner à de la réaction granulomateuse. Donc j'espère que c'est clair. Donc regardez le petit tableau, il est intéressant, c'est bien de le lire. J'espère pas que c'est clair, Inch'Allah. Donc on a fait le tour, t'as quand même les hypersensibilités, type 1, type 2, type 3, type 4. Inch'Allah, l'explication quand même claire. Il a quelqu'un que je mets n'importe quelle faute, veuillez m'excuser, corrigez-moi, faites les commentaires là. Et je vous dis bon courage. Voilà.